Tant que nous n'avons pas vacciné partout, nous sommes exposés à un risque. Parce que ça veut dire que l'épidémie peut continuer à se propager chez les plus pauvres, que des mutants peuvent arriver et ensuite revenir. Et donc c'est notre intérêt, bien compris. Et donc moi, je veux tenir cet objectif en Afrique d'atteindre les 40% de vaccinés d'ici la fin de l'année et de tenir avec l'Afrique le 60% mi-2022.